Djera Production est une exploitation agricole située à 190 km d'Abidjan, dans la sous-préfecture de Kouébo, département de Toumoudi. Djera Production a pour vocation de participer au développement de la filière laitière au plan national et ambitionne de devenir leader de la production de lait de vache et de chèvre en Côte d'Ivoire. La production végétale concerne les véhicultures et les cultures fourragères et céréalières destinées à la production d'aliments de bétail. Le maïs et le sorgho fourragé sont destinés à l'ensilage et les parcelles de panicum servent à la production de foin. La production animale est le cœur des activités de Djera Production. À la ferme Djera Production, on trouve plusieurs espèces animales telles que les bovins, les caprins, les ovins, les lapins, les cailles, la volaille d'ornement. L'atelier bovin constitue l'activité phare de la ferme avec une mutation laitière à partir de vaches allaitantes. Djera Production dispose de vaches et génisses laitières composées de croisés Montbéliard et Holstein et de Montbéliard en race pure. Le mode de reproduction reste l'insémination artificielle à partir de semences importées. Les chèvres laitières composées en grande majorité de chèvres Marani, Djoura, Sahéliennes. Le mode de reproduction reste la lutte raisonnée avec des boucs sélectionnés, Marani. Les ovins sont répartis en trois troupeaux. Les brebis Djalonké pour la production de mâles reproducteurs, destinés à la réintroduction dans les villages. Les brebis, croisés Djalonké tchadiens, participent à la production de béliers et entonnaient à l'engraissement. Les brebis de type tchadien pur produisent des béliers destinés à la vente. La production de lapins consiste à assurer une croissance rapide de l'apéro. La production de volailles d'ornement se compose des oies, de canards, de poulets, de paons et de faisans. Djera Production est équipée de deux salles de traite, à savoir celle des bovins et celle des caprins. La ferme est aussi équipée d'une unité de transformation laitière permettant de transformer sur place le lait en plusieurs produits tels le lait écrémé, le yaourt, le fromage, la crème fraîche de la marque Aria destinée au marché local. Djera Production se veut une ferme écologique par ses méthodes de recyclage et d'autosuffisance. Le fumier est épandu sur les parcelles pour assurer une bonne production végétale. Toute cette activité est gérée par un personnel dynamique, composé de 60 collaborateurs permanents et 30 saisonniers, formés sur place par des formateurs d'ici, de partenaires européens qui animent régulièrement des stages pratiques. La grande majorité du personnel d'exécution est issu du village de Kouébo, contribuant ainsi à la création d'emplois stables et au développement de l'économie locale et nationale.